Monsieur Cloutier, constable Cloutier, bonjour, comment allez-vous? Monsieur le constable, vous avez des responsables? Qui est responsable? Hey, restez là, on va vous donner les responsables. Bon, là, monsieur. Comptez là. Pourquoi vous ne me répondez pas quand vous avez dépassé la ligne? Pourquoi vous ne me répondez pas quand je vous arrête? Je vais vous en trouver un responsable. Je ne veux pas que allez-vous vous en là. Je ne veux pas que vous poussiez. Monsieur Kadir, vous restez ce côté-là. C'est correct parce que si vous dépassez une autre fois, c'est un entrave. Excusez-moi, je vous ai demandé de m'adresser la parole. Je vais vous en trouver un. Vous avez arrêté. Vous n'avez pas répondu. Alors c'est normal que je dépasse pour être sûr que vous m'entendez. Vous jouez pas au mot avec je moi. Je ne joue pas au mot. Je me suis adressé à plusieurs personnes, vous m'avez pas répondu. Alors venez pas me faire m'intimider. Je vais vous trouver un responsable. Allez, allez-y, trouvez-moi le responsable. Restez ici. Merci, monsieur l'agent. So, I mean, where is the democracy when police that are supposed to serve us and our elected bodies treat like this an elected representative when you're trying to talk to them? How is this, how can the students deal with a situation like this? They always try to talk to them, Mr. Kadir, before they get beaten every day. Qui est où le responsable? So are they going to ignore us now? Yeah, well, I wanted to force them to explain it to me because I have to talk to Ministre Dutille in the afternoon. I want them to say why they arrested 60 people because I heard there was no move today to try to force in. Were you there in the morning? We're not. We came in after the action, so I haven't seen yet. He needs something on his head. You're gonna have cold. J'ai dit que hier j'ai eu une discussion avec le ministre Dutille et il n'est pas au courant, il prétend qu'il n'est pas au courant pourquoi ces choses-là se sont passées. Alors aujourd'hui je suis venu, je me suis informé, j'ai questionné plusieurs personnes. À ma connaissance, personne n'a essayé de rentrer de manière illégale, de forcer quelque chose, de jeter un projectile. Les gens étaient en train de manifester en avant là-bas puis étaient attroupés ici. Alors je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'embarquer 60 personnes. Quel est le motif de leur arrestation? Pourquoi ont-ils déclaré que l'attroupement était illégal? Et j'attends toujours qu'un responsable se pointe. Let's hope we get an explanation right now from the police. The native members of our community. The media has been trying to take images of how the police treat those who get arrested on a daily basis. Excessive force is used on underage students and on... Oui, mais ils m'ont rejeté quand même. Ils disaient que si je restais là, ils allaient m'arrêter. Alors, l'arrestation de la commission d'attire. Avec les hautes malouf. Oui, c'est injuste, vous avez raison. C'est injuste. Mais c'est parce qu'ils savent que ça leur entraînerait peut-être un peu trop de troubles. La police politique! On attend jusqu'à quand? Where's my camera? Merci les gars, les champions.
So we are still outside here on the line on Viguer and Saint Antoine, where the police have arrested a big number of demonstrators, native and others, that were out this morning to protest against Plan Nord, that is going to continue to add onto the injuries of hundreds of years of colonization in the north, theft of native land, and rape of our resources for corporate interests, where majority of our communities, native and others, that are live off those lands, do not get any part of that wealth. These policies are of the Plan Nord are rejected by native communities across Quebec, and now we see environmentalist groups and even Quebec nationalist groups. Hello? That came out today. It seems at one point that things are being done by the police today in retaliation for the outright humiliation that they got yesterday from the students and the protesters who, for the first time, fought back. Motif, tout était pacifique. Okay. Eux autres ont eu pour marcher vers l'escalier. Okay. Et quand ils ont marché vers l'escalier, ils les ont pognés dans les escaliers, oui, en haut, là, okay, en souricière. Et je pense que c'est eux autres qui provoquent. Moi, je suis là depuis ce matin. Et puis, la provocation vient de l'autre bord et non pas des manifestants. On n'a même pas le droit de mettre un pied là, on se fait embarquer ou matraquer. Et là, ils ont des bombes en arrière. C'est des bombes à Cayenne, là. En arrière de le bouclier. C'est un dangereux parapluie! Alors, j'ai demandé, on m'a dit qu'un responsable va arriver. Where would your sisters get their education? Your sister, your son, your children! Where? Are they gonna go contact you guys? Of course not! Street! Comment s'appelle ce monsieur? Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Restez là au bord de la ligne. Non, mais c'est parce que je veux avoir des informations. On a le droit de savoir. Trouvez votre responsable, je veux lui parler. Où est votre responsable? Il est où votre responsable? Ça fait au moins 10 minutes qu'on attend pour un responsable. Il a le droit de parler, on est dans un pays démocratique, il veut parler. Il est où votre responsable? Mais écoutez, moi je suis d'accord. Alors, il est où le responsable, monsieur? Vous m'avez dit que vous alliez m'en trouver. Ça va prendre combien de temps? Mais où est le responsable? Vous allez tout reculer. Il est où le responsable? Vous allez tout reculer. Oui, mais après. On recule. Après let's go, que vous m'ayez recule. Dit. Monsieur, là. On recule. Il est où le responsable? On recule. Let's go. On recule. On recule. J'avais juste reculé. Il est où le responsable? Let's go. Here he is. Stop. Step back. Talk. This guy. Here. This guy is supposed to talk to you. This guy. Come. Come. Step back and let somebody that actually has that can make a decision. Let somebody that can make a decision. Okay. Arrêtez. Oui, mais parce que quand vous agressez les gens, c'est agressant, c'est violent. Vous avez pas le droit de faire ça. Ça fait longtemps qu'on attend ici, mais il faut que quelqu'un réponde. Pourquoi avez-vous arrêté des gens? Reculez. Pourquoi avez-vous arrêté des gens?
Mais arrêtez de me pousser. Vous n'avez pas besoin de... Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi? Mais pourquoi? Qui vous autorise à me demander de reculer? Ça, c'est la rue. Qui vous autorise? Qui vous autorise à me demander à reculer? Je veux savoir pourquoi vous nous demandez reculer. Jusqu'à où? Quel est le motif? Quel est le motif? Monsieur Clotier, when you're asked the question, who's responsible here, you're supposed to answer. That is the law. Who's responsible here, Monsieur Clotier? Qui est responsable? Monsieur Clotier, respond to your elected representatives. J'appelle le maire de Montréal et je lui demande, parce que vous n'avez pas le droit, vous avez... Moi, je vous demande un responsable. On n'a pas vous donner de responsable pour le moment. On n'en a pas disponible. Alors, si vous n'avez pas de responsable, vous n'avez pas le droit de décider. Vous n'avez pas le droit de décider. Solidarité. Vous n'avez pas le droit de décider de qui fait quoi. C'est la rue. C'est la rue. Pourquoi vous... Sur quelle base? Quel est votre argument, monsieur Lacourcière? Voulez-vous que je vous explique? Ou voulez-vous argumenter? Non, si vous voulez, on s'explique, on va aller là-bas, puis on va se jaser tous les deux. Non, regarde bien, là. Je pense qu'on s'est mal compris. On va jaser. On jaserait pas 50. Mais je sais pas, moi, je... Si vous êtes pas capable... Laissez-moi aller là. Non. Vous traverserez pas la ligne, ça, c'est clair. Oui. Si vous voulez avoir une discussion, on va jaser. Mais on jasera pas avec 50 personnes. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Vous leur demandez de s'en aller plus loin, puis on va jaser. Moi, je m'éloigne, okay, si bon. On me permet. Attendez, venez ici. On est dans un état policier, hein, mais... Peut-être les laisser... Juste me laisser deux secondes. OK. Yo, donne de l'air à Amir Cadier. Oh, ouais. Amir veut discuter avec un représentant. Mais c'est pas possible dans ces conditions-là. Deux secondes, peut-être. Ouais, monsieur, à côté, qui demande de faire la voix de mon chef. Hey. C'est pas possible, non, there doesn't mean, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Just give 2 seconds, I will give explanation. Can you just ask something in order to be able to talk to the minister? C'est bon. Ça va dépendre du gouvernement. J'arrête tout le monde. Et pour les étudiants, c'est le gouvernement seulement? Les étudiants, ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent de négocier. Ils ont manifesté dans la très, très grande majorité de cas, dans le respect des lois, pacifiquement. Ils se sont dissociés de tout acte répréhensible. Moi, je peux dire, en tout cas, Québec solidaire, on est excessivement inquiet de certains gestes de violence qu'on condamne. Jeter des briques dans le métro, mettre des bidons d'essence devant la maison des gens, c'est tout à fait inacceptable. Et tout le monde est prêt à condamner ça. Mais c'est un prétexte. Faut réaliser, c'est un prétexte. Le gouvernement semble content que ces choses-là arrivent. Quand j'ai vu M. Charest hier plaisanter, j'avais la désagréable impression qu'il était content que tout ça arrive. Donc, s'il faut apaiser les choses, il a une responsabilité, c'est de s'asseoir à table et de négocier sans condition, sans vouloir humilier l'adversaire. Mm-hmm. La première condition, si on veut régler une crise, c'est que tu dois tenir compte d'une manière de faire les choses qui n'humilie pas l'adversaire. Sans ça, c'est la guerre. Alors, est-ce que le gouvernement cherche vraiment une solution ou la guerre? C'est ça qu'il faut demander. Merci. Monsieur Catherine, écoutez,
qu'est-ce qui lui explique votre présence ici avec les manifestants? Ben, parce que hier, j'ai parlé à M. Dutille. Je lui ai demandé s'il est au courant de ce qui se passe. J'ai l'impression que M. Dutille, le ministre de la Sécurité publique, ne le sait pas. Il a donné la responsabilité de la gestion, tout ça, à la police. Et ça ne peut pas marcher. Parce que c'est une crise politique et il faut le régler de manière politique. Et ces débordements-là ne doivent pas plaire au gouvernement. Le gouvernement devrait être inquiet. Le gouvernement ne devrait pas le prendre à la légère. M. Charest ne devrait pas plaisanter là-dessus. Je réalise qu'il comprend son erreur. S'il veut corriger, et ce serait une geste digne, c'est de s'asseoir. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on s'assoit. Ils ont essayé pendant deux mois et demi à casser la volonté des étudiants, qu'on soit d'accord ou pas avec des étudiants. Les étudiants se sont tenus debout. Aujourd'hui, c'est le temps de négocier. Aujourd'hui, la manifestation tirait pratiquement à sa fin. Votre présence, évidemment, par solidarité. Regardez... Est-ce que vous pensez que ça n'a pas ravivé les intentions des gens qui quittaient pour aujourd'hui? Non, c'est parce qu'on m'a dit que 80 personnes ont été arrêtées. Moi-même, j'ai été victime il y a presque 10 ans, en 2003, d'une arrestation abusive. D'ailleurs, toutes les charges ont été abandonnées par la suite, mais le mal était fait. C'est-à-dire qu'on est venu nous avertir que c'est un attroupement illégal, mais on ne nous a pas laissé nous disperser. Alors, je voulais savoir si c'était la même chose qui s'est produit. Monsieur Lacourcière me confirme que non. Il me dit qu'ils ont donné 10 minutes. Les manifestants, il y a plusieurs observateurs ici, disent le contraire. Ils disent qu'on a déclaré que c'était un attroupement illégal. On a donné l'ordre de dispersion, mais on ne leur a pas permis de se disperser. Alors là, il y a un problème. Et si c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, c'est-à-dire qu'on déclare quelque chose d'illégal, on donne l'ordre de dispersion, puis ensuite on empêche les gens de disperser juste pour les intimider, les arrêter, les intimider, les menotter, bien, c'est ça qui crée la frustration. Et à ce moment-là, les gens ne devraient pas être étonnés qu'il y ait des débordements. Et là, vous allez faire quoi? Servir de médiateur? Je vais rappeler le ministre, parce qu'on s'est parlé hier, et je vais lui dire ce que j'ai vu et les témoignages que j'ai recueillis. Et c'est inadmissible. On est dans un état de droit. La police devrait être la première force à respecter les lois. Et en démocratie, les gens ont le droit d'exprimer leur désaccord. S'il y a des gens qui ont commis des méfaits, qu'on arrête ces gens-là. On n'embarque pas tout le monde parce qu'il y a quelques-uns qui ont commis des méfaits. Est-ce qu'on a mis tous les ingénieurs en prison parce qu'il y a quelques firmes d'ingénierie qui organisent la collusion et la corruption? Est-ce qu'on a mis tous les hommes d'affaires dans les tours de bourse en prison parce qu'il y a quelques boursicoteurs qui volent le monde? Non. Quelques banquiers qui volent le monde? Non. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Ce que je demande au ministre, c'est de respecter la loi. S'il y a des gens qui ont commis des méfaits, qu'on les arrête, on les met en prison. Mais ils n'ont pas le droit, sous prétexte qu'il y a quelques méfaits, d'embarquer tout le monde, d'embarquer 80 personnes. Ils ont arrêté 80 personnes encore aujourd'hui. Je vais demander à M. Lacourcière, est-ce que ces 80 personnes ont commis des crimes? Il a dit non. Ils étaient dans un attroupement illégal. Je leur ai demandé, est-ce que vous les avez laissés partir? Il n'a pas été capable de répondre à ça de manière satisfaisante. Vous m'avez dit, madame, qu'ils les ont pris en souricière. Oui, parce qu'il n'y a pas eu aucune provocation de la part des manifestants. Depuis ce matin que je suis là. Et je suivais le groupe qui s'est fait arrêter, d'accord? Là, ils sont montés dans l'escalier pour aller de l'autre bord. Et là, ils les ont pognés en souricière. Parce que les policiers les attendaient déjà de l'autre côté. Donc, ils ont dit de se disperser, puis ensuite, ils les ont... Oui, ça, c'est pas correct. C'est de la provocation. Ça provoque les gens. On a fait des slogans avec les Amérindiens. Tout s'est passé pacifiquement. Mais ils cherchent le trouble. Ils provoquent après, ils disent que les manifestants provoquent. Et c'est pas ça. Mais c'est ce que je vais dire au ministre de la Sécurité publique. Et j'en appelle à la responsabilité des directeurs des forces policières, que ce soit la Sûreté du Québec, que ce soit la police de Montréal. Ils ne doivent pas agir de manière politique. Leur responsabilité, c'est d'assurer la sécurité publique. Ils ne doivent pas essayer de chercher à résoudre la crise en lieu et place du gouvernement. C'est à M. Charest de prendre ses responsabilités. Exact. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Tout le monde. Merci. 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 Merci.